Bienvenue, les amis, dans cette nouvelle vidéo concernant la correction d'un exercice en algorithmique. Et bien, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'algorithme qui détermine le produit scalaire entre deux vecteurs. Alors, rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, j'avais dit que un vecteur en algorithmique est considéré comme un tableau. Alors l'idée, ce sera qu'on a on aura deux vecteurs, on aura deux vecteurs qu'on va appeler V1 et un autre vecteur qu'on va appeler V2 et V1 aura par exemple trois valeurs donc trois cases par exemple 2 1 et 3 et V2 aura aussi trois cases 2, 0 et pourquoi pas 2 aussi. Alors l'idée sera tout simplement de faire le produit scalaire. Alors le produit scalaire, c'est tout simplement la multiplication de chaque case, de chaque indice du tableau, de, de deux tableaux en fait, et de les sommer dans une variable réelle que l'on va retourner en fait, qui va être le produit scalaire entre eux. C de là. En fait, c'est la, multipli euh, la multiplication de tableaux, c'est la multiplication de vecteurs, sauf que cette multiplication, on va sommer au fur et à mesure. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, on aura euh, un P là qu'on va appeler, on va, on va l'appeler même scale, ok, pour dire scalaire, scale, ok, ou P, ça dépend, ok. Alors, scale va d'abord avoir la valeur 0, ok. Ensuite, on va récupérer, on sait que le tableau en algorithmique, on commence l'indice de début C1. Et pour ce tableau, étant donné que c'est une tableau de taille 3, l'indice de fin C3. OK. Donc l'idée, ce sera tout simplement de sommer, de faire pardon, de faire le produit de cette valeur de la case d'indice 1 du tableau V1 et cette valeur de la case d'indice 1 du tableau V2, dit du vecteur V2. Le produit de cela, on va venir sommer dans une variable qu'on va appeler p scalaire ou scale, ou p ou prod, c'est comme vous voulez, au fur et à mesure. Donc au premier tour, on va d'abord prendre le 0 aussi, on va le sommer avec le produit de ces deux-ci en fait. Donc 2 fois 2. Ensuite, lorsqu'on fait ceci, on injecte cette valeur dans le produit scalaire. Donc présentement, le produit scalaire aura la valeur, donc p scalaire. Aura la valeur 4. Donc Pescal avait d'abord la valeur 0, il aura maintenant la valeur 4. Au second tour de la boucle, on va refaire la même chose. On va dire que Pescal va recevoir son ancienne valeur. C'est pour ça qu'on avait mis d'abord ici 0, parce qu'au départ, il avait une, une, une valeur prédéfinie qui était 0. On va dire Pescal reçoit 0 plus maintenant sa nouvelle valeur. Et vous voyez, on va maintenant laisser les trois les premières cases de deux tableaux-ci pour s'intéresser aux seconde case de chaque tableau de chaque vecteur. Donc du coup, on va récupérer la valeur 1 du tableau V1 du vecteur V1. OK, on va d'abord prendre la valeur, l'ancienne valeur de pixel qui est 4, plus la multiplication entre la valeur du tableau V1 d'indice 2, okay, qui est 1, fois la valeur du, de la case d'indice 2 du tableau V2 du vecteur V2. OK. Euh, qui est 0, pardon. Qui est 0 là. Le produit de cela va donner 0. Et on va faire 4 plus 0 qui va encore donner 4. Ainsi de suite. Et ici, on voit bien que euh, le produit des deux si va donner tout simplement 6. Et 6 plus 4 va donner 10. Donc le produit scalaire de ceci, Pascal, OK, sera tout simplement égal à 10. Donc c'est un peu ça. Essayons de passer maintenant à la résolution de notre algorithme. Ce qu'on va faire, c'est que, OK, on va écrire l'algorithme, on va dire là, on va écrire l'algorithme, on va dire produit scalaire. OK. Scalaire. OK. Ensuite, on va déclarer une constante, étant donné qu'on est en train de travailler sur des tableaux, on va déclarer une constante n égale à 100, OK. Alors, on travaille sur des tableaux d'entiers, euh, sur l'exemple que je vous ai montré, mais par défaut, on va essayer de mettre des tableaux de réel. Okay? Donc, euh, on va déclarer un nouveau type tableau qu'on va appeler type table réel. Type tab réel. OK. Qui est un tableau de 1 point 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 à grand N de réel. On n'accorde pas, bien sûr. OK. Alors, ensuite, je déclare une variable var et j'appelle euh, V1, comme dans notre exemple, V2, OK, qui sont tous deux des tableaux de type table réel. Donc, des tableaux qui vont contenir des réels. OK. Ensuite, je vais déclarer un itérateur, puisque chaque fois, on parcourait notre tableau avec un certain I. Euh, un itérateur qui sera de type entier. OK. Bien. Ensuite, bien sûr, je dois déclarer notre Pascal c'est-à-dire le produit scalaire qui sera de type réel, étant donné que si on fait la multiplication, euh, si on fait la multiplication, ensuite la somme avec des réels, forcément, il faudrait mettre le résultat comme réel. OK. Donc, euh, c'est un petit peu ça au niveau des variables. Alors, on va écrire, on va écrire ceci, on va dire ceci, écrit entre les valeurs, on va dire entrer les valeurs du premier vecteur. OK. Ensuite, étant donné qu'on veut entrer des valeurs d'un tableau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une boucle pour. On va dire pour i, 2, 1, a, n, faire. OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire lire. Lire v1, OK, rocher i, point, virgule. OK, on fait fin pour. Donc, ce qu'on va faire ici, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a récupéré la valeur, les valeurs, en fait, du premier vecteur. Maintenant, on va essayer d'occuper les valeurs du second vecteur. Alors, pour occuper les premières valeurs, les valeurs du second vecteur, ce sera un peu la même rengaine. Donc, on va dire entrer les valeurs du second vecteur. Entrer les valeurs du second vecteur. Alors, on va dire pour i de 1 à n faire, on va dire l v de 2. Donc, on va demander à l'utilisateur d'entrer les valeurs du second vecteur. Ensuite, après avoir fait ça, on va initialiser notre p scalaire à 0. Donc, on va l'initialiser à 0. V2. OK. Maintenant, si vous avez bien compris au niveau de, du schéma, on voit bien que, OK, c'est un peu touffu. Alors, je vais essayer de, de, de réarranger ça. On voit bien que lorsqu'on a nos deux tableaux comme ceci, avec les valeurs comme ceci. On a peut-être 2, 4, 5, 2, 3, euh, 0. Ici c'est 5. OK, on a V1, on a V2. OK. On constate bien que, à chaque fois, le I pointe sur V1 et le I aussi pointe sur V2. Donc, on va bouger les deux les littérateurs au niveau des deux tableaux va bouger. Au même indice sur les mêmes indices donc quand i aura la valeur 1 ce sera effectivement la case ce sera effectivement le contenu d'indice 1 du tableau 1 fois le contenu d'indice toujours 1 du tableau v2 donc c'est ce qu'on va essayer de réaliser au niveau de notre, euh, notre boucle en fait de notre portion de code qui va effectivement réaliser ce produit scalaire donc pour i de 1 à n faire OK. Ce qu'on va dire tout simplement, c'est quoi? C'est Pescal. Voilà, Pescal va tout simplement recevoir Pescal plus V1 de I fois V2 de I. Point-virgule. Et on met un peu les parenthèses, voilà, pour essayer de bien illustrer ça. Donc, on voit bien que, à l'indice 1 de V1, je prends l'indice 1 de V1 fois la case d'indice 1 de V2. Je multiplie et je mets le résultat. J'additionne le résultat avec l'ancienne valeur de Pescal, qui est au départ et à 0. Et je mets dans Pescal ainsi de suite. Donc, je mets dans le produit Scalaire. Et je termine ici par un fin pour. OK. Et ensuite, tout ce que j'aurai à faire, c'est tout simplement décrire d'ajouter une instruction écrit là qui va tout simplement dire que le produit scalaire entre de nos deux vecteurs de nos deux vecteurs est de point p-scale. tout simplement donc voilà l'algorithme qui détermine le produit scalaire de deux vecteurs. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à partager la vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo.